Ah, bon, bah ça trouvait. Je joue contre un 2Q à 2 d'handicap, du coup. Alors, j'ai blanc, un Dan, contre 2Q noir, bah voilà, 2 d'handicap. Je dis bonne partie. Et il y a 0,5 de commis, du coup. 25 minutes chacun, 5 fois 30 secondes. On joue un Komoku. Tout de suite voir un peu le style, hein, s'il approche directement Komoku ou s'il prend le troisième coin. Ok, il approche direct. Ça peut être plutôt cool de prendre un coin direct. Tac, tac, tac. Il connecte, je vais là, il prend son extension en quatrième ligne. En soi, j'ai déjà du cash, un coin. Alors, handicap, c'est plutôt cool d'avoir du cash. Parce qu'après, on peut envahir un peu plus facilement, normalement. Et je peux déjà approcher un autre coin. C'est plutôt cool. Sachant qu'il a deux Oshis, je pourrais potentiellement finir à trois coins. Après, il y a l'autre strat de jouer un peu plus compliqué en pince. Mais bon, à 2Q, il connaît quand même, je pense, bah, il approche et normalement ça se passe plutôt bien, quoi. On va prendre le coin. J'aime bien le territoire. Hop. K4. Ou pas K4. Ok, il joue sur la troisième ligne. D'accord. C'est marrant, il joue Q5 qui fait vachement influence et ensuite il joue troisième ligne. Ok. On va jouer dans cette direction. Il ne m'approche pas. Ok. Après, le coup suivant, E16 sera quand même intéressant pour lui, hein. Est-ce que je le fais pas d'ailleurs, ce E16? Parce que lui, il serait vraiment intéressé par ce coup, hein, parce que si on fait ce même je sais qui, il a direct son extension naturelle. Et en même temps, si je pince, bah, il a déjà une contre-pince. Ça peut être intéressant de le prendre. On va prendre le Sansan. Hein. Merci pour le follow, Yorish. Bienvenue à toi. Par là, ok. Bon, il a déjà une pierre ici. Ouais, il a plus de potentiel, peut-être. On va venir là. Ok. Soit on vient là, soit on vient ici. Si je viens ici, en fait, il peut aller là. Je coupe. Et il peut venir ici, ce qui menace de prendre les trois pierres. Du coup, on fait atari, on capture. Mais par contre, cette pierre est un peu isolée. Il pourra faire une extension, cela dit. Et si on fait ça, ça revient à l'autre je sais qui, où j'aurais fait Nobi. Il faisait année, et je réponds de là. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Il veut faire cette séquence. Tac! L'échange de direction. Si je viens là, en fait, en B2, la séquence à peu près classique, c'est je vais en B5, il va en B5, je capture cette pierre, il fait atari, je la capture définitivement, il refait atari, je viens là, il protège sa coupe, je fais contre-atari, il vient là, et je vais en F3. Mais je ne comprendrais pas trop ce changement de direction, alors qu'il a un beau potentiel ici. Donc je pense qu'il joue ça sans connaître cette séquence et pour revenir en D2 direct. Je pense. Non, ok, il la connaît, mais par contre c'est bizarre comme changement de direction. J'ai été mauvaise langue. J'avais également le choix de capturer la pierre, mais pour moi c'était pas intéressant, je pense. Ouais, bizarre. Bon, ça c'est je sais qui du coup, ouais. Tac.
Il y a une histoire de chicho, pas chicho. Si j'ai s'il a pas le chicho. Ouais, là quand je joue ça, s'il a chicho, il joue ça, et s'il a pas le chicho, il joue ça. Bon, là il a, hein. Y a pas de problème. On va venir ici. Mais ouais, il avait un beau moyau ici. Excalibur, c'est le nom? Ok. Et moi je viens là, je crois, c'est ça? Ouais, je crois. Après, il est solide partout, hein, mais... Quand je viens là, en fait, il peut peut-être y avoir des approches en M2 maintenant. Ok, il veut pas qu'il y ait d'approches en M2. Je vais peut-être finir avec les quatre coins. Hein. C'est tentant hein, de venir. Mmh. Je peux prendre mon temps par contre. Hein. Lui, il a utilisé 1 minute 12 pour. Quoi, 20 coups? Non, 18. Bon, clairement, hein, pour clore le Fuseki. C'est cette zone-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on approche comme ça? Ça, c'est sympathique, hein, avec ces deux pierres comme ça. Parce qu'en approchant là, imaginons, il kick, je monte et il saute. Même s'il fait un beau développement ici, avec encore une ou deux petites faiblesses. Mais moi, je pourrais sauter ici également. C'est pas coupable, hein, grâce à cette pierre. Et on menace de quelque chose. Bon, il vient dedans, mais ça pourrait faire un combat. Et un combat, normalement... normalement, je suis un tout petit peu au-dessus. Normalement, ça ressemble à une épée dans son fourreau, d'où le nom. Ok, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Sympa comme nous. Je connaissais pas. Ici, j'ai des petits développements, soit ça, qui sont sympathiques. Comment est-ce que j'approche ce truc? Est-ce que je vais au Sun Sun tout simplement? Il pousse de ce côté. Je vais là. Ouais. Ou alors, comme je sais qu'il veut au nord, je viens là. Je crois que c'est ça la théorie. S'il pousse là, je viens là. Il renforce et je glisse. Et c'est une épée belge par contre. Comme ça, je peux avoir un Sun Sun amélioré. On va faire ça. Bonsoir Roln. Ok, bah bonne soirée à toi du coup et profite bien. Merci de visionner. Ok, et du coup il prend le coin. Je pensais pas. Du coup on va reculer. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. On recule. Est-ce que je vais là directement? Je pourrais pousser. Donc soit je pousse, il va là. Et je vais en M17. Soit je vais directement en N17. Et s'il pousse, j'ai cette forme. Je pense que je préfère ça à solide. T'as fait tomber ton panier. On va mettre la pression un petit peu. On va venir là. Pas envie d'être seul, faible. Et on va reculer comme ça, du coup. Vraiment pour dire, regarde, ta base de vie, elle est pas certaine. Ok. On va connecter et réfléchir après. Ok. Là, ça vaut peut-être pas le coup de descendre en N18. Il monte et finalement, je suis assez serré. Autant jouer là et respirer un peu sur l'extérieur. De toute façon, j'aurais pas vraiment de... Si je vais là, il vient ici. Même en allant ici, j'ai pas d'œil là.
parce qu'il pourra jouer à tout moment P19. Donc je me dis, est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre l'influence? Simplement une force sur le centre. Plus intéressant, j'ai l'impression. Et rien m'empêche de venir là plus tard. J'ai l'impression que c'est plus intéressant. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il vient là? Atari, tac, et on connecte. Si j'ai joué là depuis, ça va. C'est sur la deuxième ligne, ça fait pas grand-chose. C'est plutôt cool, j'ai l'impression. Ça l'empêche d'avoir du potentiel un peu partout. J'aimerais bien avoir un coup par ici également. Genre ici. Mais là, pour le coup, c'est peut-être un peu risqué. Je sais pas, peut-être que je peux. Tac. Et s'il vient maintenant là, tac, tac, tac. Ce serait pas une bonne idée pour lui de venir là directement, mais qu'est-ce qu'il ferait ici? S'il vient là, je monte. Qu'il saute ici. On vient là, il peut aller là, je vais là, il coupe. Hmm. Ouais, il aurait peut-être ça, tac, tac, puis ça. Dans ce cas, à ce moment-là, on vient là, ici on connecte. Bon, on a gagné quelques pierres ici, on a ce groupe qui fuit assez tranquillement, je pense. Je sais pas, peut-être que c'est abusé de faire ça. Abusif, plutôt. En même temps, c'est un bon développement sur ce bord qui est le dernier bord un peu laissé. Il y aura ça aussi, hein, bien sûr. Mais... ça ou ça, parce que là si je viens là il peut se développer par ici et c'est quand même gros je trouve, c'est très gros ici. Allez, on y va et on assume, on dit ça va bien se passer, il y a l'espace même s'il y a beaucoup de noir, mais bon. On a des points, c'est cool. Pour l'instant, on va dire 5 ici. On va dire 15 là. 20, 30. 30, bon, on n'a pas de commis. Donc 30 points, on va dire, pour l'instant. Ici, il va en avoir quoi? Il pourrait facilement en avoir 10. Ouais. Ici, il pourrait en avoir 5 facilement, 15. Ici, il en aura quoi, 10-15, donc on va dire une trentaine. Ouais, il est encore à 40 points déjà là. Donc, je suis encore un petit peu en retard, mais on a rattrapé. On a rattrapé. Je pense que maintenant, il faut défendre par là. Et s'il pousse ici, je saute. En menaçant de développer pas mal de points là. Mais je pense que maintenant, il faut. Là, ça justement, il essaie de dire vas-y, prends tes points, mais toi, tu vas être faible. Le plus important, c'est de protéger ça. Est partie plus sympa que la précédente. Ouais, c'est pas dur. C'est pas dur, on va dire. Au moins, en tout cas, ouais, c'est clair que c'est plus stable. Précédente, le problème, c'est... bah, selon l'IA, non, ça allait. Mais il y avait une impression de... au bout de 15 coups, c'était compliqué. Ok, il vient là. Je peux faire ça, hein, tout simplement. S'il fait Atari, j'ai presque envie de faire contre Atari ici. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il fait ça. Et en soi, c'est peut-être un peu lent de descendre maintenant. Oui, il pourra aller là. Est-ce que j'ai pas mieux à faire pour le moment? C'est un adversaire pourri. C'est ça, c'est l'adversaire, c'est pas moi. Effectivement, c'est gros de descendre. Mais il gagne une santé, il vient attaquer ça. C'est pas trop sympa, Zordeux. C'est quand même tentant de venir là. C'est quand même gros. On aurait dit moi, mais bon, ça le laisser. C'est ça. Si je vais là, c'est pas mal, non? On va aller par ici. Mettre un peu la pression sur ça, tout en aidant ce groupe. Et peut-être revenir en S13 plus tard. Si lui, il vient là, j'y réponds pas non plus. Donc, voilà, on peut se dire, voilà, on peut rajouter un coup.
Ça fait du bien. Déjà. Et maintenant, peut-être que je peux revenir. Je suis déjà un peu plus tranquille. S'il force comme un bourrin et qu'il coupe, je peux faire Atari et connecter. Et j'ai quand même des formes assez agréables. J'ai quasiment deux yeux directs. Et il me faut un peu de cash. On a vu qu'il nous manquait 10 points. Et par là aussi, on pourrait trouver des points. En vrai, ici, il fait du C13, c'est bien. Je pense à ce coup-là maintenant. C13, ça a l'air pas mal pour lui. Ou par là. Parce que blanc le veut bien, ce coup. On va voir ce qu'il joue. Mais ça a l'air d'être les deux zones, les deux directions. Ok, mais ça c'est du EC s'il fait tout ça. Ça c'est bien. Ça a l'air, c'est assez évident comme coup, ça rajoute quand même pas mal de points. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrive à la fin du Fusekil. Assez calme comme partie en soi. Il ne devrait pas y avoir de gros meurtres. À moins que s'il devait y avoir quelque chose qui meurt, c'est ça quoi. Mais ça m'étonnerait. Il veut peut-être garder, là on en avance une fois, il veut peut-être garder le C18 into B17 plus tard, mais bon. Sans ça va, mais. Ah, on va jouer par là, hein, je pense. Essayer de faire une petite boîte où il y aurait 16 points, un truc genre là. C'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses qui seraient intéressantes. Il nous reste un peu de temps. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Et lui, où est-ce qu'il pourrait construire le plus facilement? Ça a l'air d'être cette zone quand même pour construire. Après, il est beaucoup en troisième ligne, donc blanc, il aimerait peut-être avoir un coup par là, ou alors venir direct en D11 par exemple pour écraser la position. Lui, en tout cas, il est jaloux. Il vient réduire, mais en soi, pourquoi pas? Parce que à la fois, ça réduit ça, et en même temps, ça commence à apporter quelques pierres en plus pour attaquer ce gros blanc. Donc pourquoi pas? Là, je dois jouer quoi? Je dois jouer Q10. Tac, il avance, celui-là. Peut faire année encore. Hein. C'est chiant. Ou alors je saute par là. Et s'il continue dedans, ben, il aura un groupe faible quoi, à l'intérieur. Tac, tac, tac. Oh, on va sauter. Je sais pas. Si je m'écrase gentiment, en fait, j'aurai pas beaucoup de points de toute manière. Parce que ça a pas l'air de très bien marcher avec ça. Si on s'écrase, Atari, qui refait Atari, tac, tac. C'est assez risqué, en fait, je trouve. Donc ça, mais... Pff.
Voilà, et il s'en va, et il est content. Donc il vaut mieux réagir et dire, ok, moi bon, cette pierre sera assez isolée. Il joue assez propre, hein, quand même. Il veut pas prendre trop de risques, ce qui est normal. Hein. Et en sautant ici, on met un peu la pression sur cette pierre et on commence à aider ça. Donc peut-être qu'il aura envie de jouer. Ouais, peut-être qu'à ce moment-là, il va jouer M14. Petit risque quand même. Pour noir. Ouais, mais ça va en vrai. Hein. Tu pars en Toby et c'est bon. C'est que du noir ailleurs. Ça va, y a plus risqué, je trouve. Après, ça va me donner quelques pierres blanches par-ci par-là. Ce qui est cool, on va dire, c'est si là il pensait faire un potentiel, c'est plus compliqué maintenant. Ah, dans la chanson, il y avait 1, 2, 3, je regarde mon temps, je suis quoi déjà? Ok, là il fait tous les. Ok, bon, on connecte, hein. Et il continue. Bon, on continue également, hein. On t'accompagne. Ah si, je vois ce que tu veux dire quand même, hein, parce que est-ce que c'était nécessaire? S'il était en avance, est-ce qu'il a compté, par exemple? En soi, on pouvait presque enclencher déjà une phase de Yossé ou même il pouvait essayer de faire un Moyo, ouais, effectivement. Là, ouais, il veut couper ma baguette. S'il va là, je vais là, et il coupe. Essayer de connecter intelligemment. Si je viens là, ça permettrait ce tatari par exemple, ou même voilà des petites faiblesses dans la forme. Mais lui, il pourrait faire ça. Ce qui menace de couper. Et en même temps de rebondir en S8. C'est quand c'est chiant. En même temps, si je connecte tranquillement, c'est pas fameux non plus. Est-ce que je mettrais pas la pression tout de suite plutôt? Ok, tu peux me couper, mais attention à ton groupe parce que tu pouvais d'abord sortir une fois de plus. On va d'abord faire ça. S'il coupe, il est goté, mais on peut continuer là, l'enfermement. Protéger sa coupe. Normalement. S'il me coupe, c'est un peu risqué. Hein. Tac, 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 la coupe. Et moi, je coupe. Mais là, c'est du blanc ici et là. Ouais. Je sais pas. On est 21. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ok. C'est pas mal comme coup. Parce que si je pousse là, ça lui fait faire une forme très naturellement. Donc c'est pas mal, j'ai l'impression. On connecte parce que si on se coupait, ouais, toute cette baguette maintenant, on sait pas trop quoi en faire. Est-ce qu'on va pas plutôt là maintenant? Tac, il va là et je fais une gueule de tigre, ce qui me laisserait une opportunité de connecter par ici ce groupe-là ou par ici. C'est quand même agréable et ça, c'est pas l'histoire est toujours pas finie. Je pense qu'on va plutôt faire ça parce que si je m'écrase, en fait, la partie pourrait se finir sans que j'ai pu rattraper assez les points. Donc il faut qu'on maintienne une pression en soi. Je préfère. Ok, lui il dit non, non, c'est bon. Voilà, l'histoire elle est finie.
Ce qu'il y a, c'est que voilà, il met quand même la pression sur un groupe important. Si ceux-là, tac, tac, tac. Ah, c'est quand même risqué pour moi. Ah, il joue IEC, quoi. Il joue le IEC. C'est... Si je risque pas de mourir, par exemple, ça vaut le coup de rajouter un coup là. Même si ça fait chier de se faire attaquer. Mais tac, 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 tac. Et je peux encore sortir également avec ça. Ça tout simplement, ouais. Bon. Comment on approche ce truc? Il me reste 6 minutes pour essayer de voir. Bah avant de d'approcher au quoi que ce soit, il peut encore sortir, donc il faut enfermer tout simplement. Et ça va aider mon groupe. Parce que là, si je gobe ça. Intéressant. Et même je vais gagner quelques coups gratuits parce que normalement il vit hein, mais oui il est vivant là avec ça presque coup il est vivant donc peut-être qu'il fallait que je tourne là ok mais en même temps il pouvait sortir donc c'est pas très intéressant par contre maintenant voilà il n'y a plus rien ici. S'il chope tous les coups de Yossé autant arrêter tout de suite. Peut-être que maintenant je peux approcher par là que je suis, vu que je suis fort en face. S'il passe par dessus, je peux continuer tac et passer au-dessous et dire bah, je vais connecter et faire pas mal de points ici. Et lui il fera pas beaucoup à l'extérieur parce que je suis déjà en face. Et s'il passe par dessus, je vais là. Ça peut se faire pas mal de choses et même de sortir peut-être cette pierre un jour. Et comme j'ai dit, il faut que je réagisse un peu. Ok. Tac, tac, tac. Non. Connecté plutôt. Il rajoute un coup. Il rajoute celui-là. Si, ça a l'air d'aller. Ok. On va quand même revenir par là, il y a quand même un peu de points à se faire. Elle est assez calme comme partie. Bon, maintenant il va attaquer là. Il avait peur ici? Je pense pas que je réponde à ça. Hein. Je pense pas que je réponde à ça. Ce groupe-là, est-ce qu'il est en danger? On peut aller là, ce qui l'aiderait. On peut aller par là, ce qui l'aiderait connecté. Il serait connecté, ouais. Ou on peut aller également par ici. Il y a du choix. Donc peut-être que je dois descendre maintenant ici et reprotéger ce groupe. Il y a ça aussi qui est gros. C'est vrai qu'ici, si on défend, de toute façon, j'ai pas beaucoup de points. D'abord, faire un petit coup de son par ici. Comme ça, après, je peux aller en O2. Tac, je défends. Ça menace de rapprocher ici. Ouais, tac, tac.
C'est marrant, je pensais qu'il protégerait en connectant ici. Maintenant, il y a peut-être des petits trucs par là, mais on va voir. Déjà, je regarde ça. Tac, tac, parce qu'il y a un gros coup de yossé. En fait, si lui, il descend en haut 2, c'est très gros pour lui. Donc, si on peut parer à ça. Tac, tac, tac. Et qu'il répond pas, on a ça. Bon, s'il fait ça, on fait Atari, mais s'il descend, on peut monter. Il faut connecter. Et ensuite, on a... Ouais, j'ai l'impression que c'est gros quand même. C'est un peu le foutoir ici. Vraiment, ça c'est gros. Il y a ça aussi hein, qui est gros. Ouais, c'est gros parce que ça menace de prendre ses deux pierres. Ouais, c'est immense. Là, il perd son UOC, son Sente. Là, il perd son Sente. C'est intéressant pour moi. Bon, il faudra trouver le timing de redescendre en H2, mais ça semble très gros. Parce que lui-même peut venir là, tac, et jouer sur Sente. Il y a une grosse différence si je dois protéger jusqu'ici, ou ici. Quand même. Est-ce qu'ici, il peut connecter? Ouais, ça sera gros aussi pour lui. Ça connecte par là. Mais en même temps, c'est un peu lent pour Blanc d'y aller, je pense. C'est fou de penser déjà au yossé là. Après il y a un peu plus de 100 coups. Ouais, on va venir là, hein. C'est gros. C'est un peu risqué pour ce groupe ce que je fais depuis tout à l'heure, mais il y a la sortie toujours, et en plus avec cette pierre d'Adji, ouais. On va reculer là. Ah, il va attaquer là. Non? Ok. Bon, c'est bien aussi. Hein. On va raconter un petit peu. Je me compte en 35 et 40. Et lui? Pareil, j'ai l'impression que c'est équilibré. 10 seconds. J'ai l'impression que j'ai rattrapé la partie équitable. Bon, maintenant avec ça, en fait c'est ça, c'est j'ai laissé des trucs, donc à voir. Peut-être qu'il va monter d'abord. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Est-ce que je suis en train de faire une bêtise ici? Tac, 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 tac. Il va prendre ses deux pierres. Ouais, il est quand même en avance, c'est sûr. Avec ça. Oula, non, non, non. Mon clic de souris, c'est... Oh,
Voilà, et quand même. Quand même. Ah, il me le redonne. Ok. Que quand même là, c'est plutôt évident comme misclic. Du coup, il n'accepte pas. Si, non. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Par contre, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, il pouvait reculer effectivement à la place de capturer les pierres, je crois, pour tuer tout ça. Là, j'ai fait une erreur. Par contre, là, il me laisse pas le reprendre, je crois. Je crois qu'il voulait juste pas jouer ça, il joue un autre coup. Ce qui sera assez dur, parce que du coup, il aurait pu récupérer son coup et pas moi. Ça serait assez. Ouais, ce serait pas très sympa. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai demandé, non? Je comprends pas trop ce qu'il fait. Parce que là j'ai recliqué une deuxième fois pour redemander. Mais... Demande lui-même. Pourquoi il comprend pas comment on fait dans l'autre sens. Attends, il va récupérer son coup lui. Ouais mais là c'est pas pareil ça. Mince. Oh ouais mais bon. Je suis débile. Ouais, c'est bon, il a accepté. Je suis débile. Il faut que j'arrête de... Il faut que je laisse cette souris, par contre. Ouais, là, c'est ça que je voulais faire. Bon, je vais quand même lui dire merci. Parce que, à la fin, il a accepté. Alors, attention, où je clique. Donc là, c'est ça que je voulais faire, parce qu'il peut pas répondre. 10 secondes. Mais par contre, oui, à la place de capturer les deux pierres, il pouvait faire ça. Et là, on revient là. C'est à ça que je pensais. Mais j'aurais dû le faire avant et pas faire ce tournant. Tac, tac, tac. Il veut isoler ses trois pierres, j'imagine. Il y aura quand même du gros à prendre là. C'est le sort des misclics. Ouais, là, c'était compliqué. Hein. Ok, bon c'est pas très discret, hein. Il va ensuite rajouter celui j'imagine un coup par là. Et celle-ci, est-ce qu'elle risque grand chose? Il ferait Atari, tac, et après IRR. Ouais, il y a deux endroits où il peut construire quelque chose de sympa. Nous on va venir là, hein. Tac. S'il vient là, tac, et qu'il coupe. Ah non, on va plutôt aller là d'ailleurs. Ten seconds. Allez là. Faut que je fasse attention, il y a toujours la coupe ici. Mais bon, on est. Normalement ça va aller, la relation est assez évidente. À répondre. Peut-être que c'est un peu gourmand de ma part, parce que là, ces pierres-là, faudrait pas les lâcher. Je suis peut-être en train de lâcher un gros truc là. J'ai perdu mes moyens là depuis ces misclics là. Faut qu'il fasse attention à ses groupes également. Mais bon, je peux pas aller là quand il rajoute à ça. Donc là, je dois continuer de bille et continuer encore? Ouais, non, c'était une erreur de ma part, ça. Et ensuite, il n'aura plus qu'à connecter. Moi, je pourrais tourner. Tac, tac. Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ouais, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah là là, la partie m'a échappé en 2 secondes. Ten seconds. One, two, three, four.
on perd tout ça. Du coup là j'essaie de jouer un coup sévère pour imaginer les séquences dans ça, dire ok je prends ça, mais bon ça a l'air compliqué, faut le dire. Bah non, ça change rien pour lui, tu peux encore prendre. Allez par là. Faut absolument sauver ça. Hein. Tac, tac. Ouais, mais quand on coupe là, il va là. Ouais, non, j'aurai jamais le temps. Ah là 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 là, c'est dramatique. Tac, tac, il va là, je vais là. On coupe. Ouais, il faut couper de toute façon. Bon non, il y a Atari. Oh, allez, hop. On abandonne. C'est n'importe quoi. Alors, ouais, il est resté en avance. On rattrapait à la fin, là, on a chuté. Mais il était toujours en avance à Pro, hein. De combien de points, ici? Ouais, avant cette séquence horrible. Il était en avance de 5 points. Ok, on avait quand même pas mal rattrapé. Parce qu'au début, on est en retard de 1 point. Donc avec un Yossé, ça aurait pu se rattraper, mais là, on a fait un peu à la fin. Tac, tac, il vient là, je vais là, et ouais, ça, c'était un peu bizarre. On vient en Sensan, tac, ok. La séquence, j'ai l'impression qu'elle est bonne pour moi. Ouais, ici, cette séquence, elle est à peu près bonne pour moi. Ce changement de direction. Ils sautent, non eux ils disent d'approcher de ce côté, ok. On joue là, il vient là, on joue là, ouais. Ok, ici il faut bloquer, ok. Tac, ouais ici il fallait bien passer par au-dessus comme on disait, ça servait pas à grand chose de bloquer là. Tac, 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 tac. Et ça, ça se joue, ah je suis content de, d'avoir trouvé ce coup du coup. Ah, qu'il se passe. Ok. J'avais un petit peu peur de ça, je sais pas pourquoi. Tac et tac. Comment est-ce qu'ils auraient géré ça? Parce que moi j'avais peur de ça. Et la coupe. A priori c'est ok. C'est un peu dur mentalement de laisser ces 4 pierres comme ça. Ouais 55 c'est... Je suis... bah, c'est... En fait c'est une forme qui ressemble sur quelques je sais qui de double approche et tout je trouve. On retrouve souvent ce coup, j'ai l'impression. Donc il a bien répondu, moi je protège ma forme, c'est un peu lent en pro, oui. Attends, il fallait aller là tout de suite. Ok, intéressant. C'était gratos quoi. Tac, tac. Il vient ici, je protège, tac. Et effectivement ici, il faut jouer ailleurs. Il descend, et là il faut continuer dans cette idée. Là c'était lent. Ok. De toute manière, en plus, j'ai jamais réussi vraiment à construire totalement ce, cet espace, donc... Bon après à ce moment-là je savais pas hein, mais effectivement c'était pas facile. Ouais, je le construis alors que c'est pas vraiment facile de construire. Tac, 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 et ici ouais, et qu'on le fait courir. Ici il faut faire une meilleure forme, ok. Et on court ensemble. Ok, plutôt ça. Dans l'idée... c'est cet espace-là qui l'a permis de vivre, et là, rien qu'avec ce Kosumi, c'est... là, déjà, il n'y a pas d'œil. Ok. Bonsoir, je ne connais pas le jeu... je ne connais le jeu que tu... 1, 2, 3... Ouf. Fatigue, on va dire. Bonsoir, je ne connais le jeu que de nom. Je suis là totalement par hasard. Kugrialka. Ton nom me dit quelque chose, Kugrialka. Si t'es abonné Prime. Attends, mais... Kugrialka. J'ai déjà entendu ton pseudo plusieurs fois, mais je sais plus où. Bonsoir en tout cas. On se connaît voilà, ok, d'accord. Bah bonsoir, bonsoir, bienvenue, ouais. Bah ouais, si tu veux, en tout cas, si jamais tu veux connaître un petit peu les règles, il y a les règles à vite fait en petite vidéo. Ok, c'est Prime, mais peu importe la chaîne, quoi. Ok. Ok, ok. Ça roule.
Voilà, on est en train de revoir une partie du coup. Ouais. On est en train de revoir une partie. Donc ici, c'était un peu trop agressif. Ah, pourquoi ça fait ça à chaque fois? Tac. Il défend, je défends, il fait la belle forme. Bref, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ici, d'un seul coup, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'il va pouvoir trouver son espace vital. Et là, je protège, et c'est un peu lent encore une fois, parce que... pas trop de soucis, en fait, je pourrais, s'il coupe direct comme un bourrin, je pourrais menacer de la capturer et connecter avec ses pierres, par exemple. Et je peux encore connecter là. Il y a beaucoup de choix, donc ça, c'est trop lent. C'est dommage. Et ça aussi, c'était un peu hors sujet, c'est vrai. Ça veut pas dire que tu peux demander... mais ça veut dire que tu peux demander un prime. Oui, enfin, en général, les personnes sur Twitch sont au courant, je pense, et... Et l'utilise déjà pour quelqu'un, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis juste la commande et comme ça j'ai pas trop besoin d'en parler. Des fois j'en parle mais c'est assez rare. J'aurais quasiment jamais Twitch, je savais plus que tu étais dans mes follow. J'ai vu Hugo, je me suis dit oh pourquoi pas. Bah oui, je streamais du Edge of Empire avant. Ouais. Putain, attends. Tac. Hop. Et là l'invasion il repropos également. Ok. Donc on a fait n'importe quoi sur cette séquence là, mais ça se passe plutôt bien pour moi. Et je défends, ok. Ouais, c'est une partie un peu plus foutoir à partir de maintenant. Et maintenant, ouais, il faut que je profite de ces trois pierres et que je développe. Là, il a pu détruire ce qu'il y avait ici, c'était un peu bête. Il a encore bien avance. De 12 points, ils disent. Donc j'ai encore rattrapé un peu après. Ouais. Ici, du coup, quand il vient là, tac, 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 ça se joue bien. Et le tournant ici, bah non, il peut tourner là. Mais après, je suis pas mort selon l'IA. On sort. Bah non, oui, il y a du combat avec ça. Et s'il sort là, bah c'est un peu dangereux parce qu'on peut faire cet Atari et cet Atari. Et ça donnera un chichot. Ok. Donc ce tournant là n'est pas si mauvais, mais je l'avais pas vu en fait. Moi quand je l'ai joué, je me suis dit mince, c'est une erreur, parce qu'il peut sortir et je meurs tout là. Mais j'avais pas tout lu du coup forcément la sortie ici. Hmm. Ok. Et il capture. Et moi ouais, j'ai été là, mais oui je peux sortir du coup. Ah et c'est immense en fait, parce que s'il meurt là et que je prends tout ça, imaginons. Bah c'est quand même bien agréable quoi. Tac, tac. Capture. Ouais, c'est quand même agréable de faire ça. 5 points à rattraper au Yossé, c'est pas impossible. Surtout avec des zones qui peuvent se développer peut-être un petit peu. Et avec la différence de niveau. Hmm, dommage. Et là, on fait ça. Ouais, là, il a une dizaine de points d'avance. Et là, je fais n'importe quoi. Ouais. Comment j'aurais dû gérer cette séquence? C'est là où ça s'effondre. Donc, il fait Atari. Il faut pas que je réponde à Atari tout simplement. En fait, c'est juste ça quoi. Je récupère le CNT. Non, je récupère pas le CNT, mais même lui, il capture pas la pierre. Hein. C'est pas le plus gros en soi. Mais là, il y a plein de choses à faire. Ok. Mais c'est vrai que là, dans la séquence, comme un idiot sauver ses pierres. Et après, juste constater que ben, t'es mort là. Et si je viens là, en fait, il va là. Je peux pas couper. Bon, déjà, il capture ses pierres. Ou même s'il veut pas s'embêter, bah, il capture ça et il dit oh, regarde t'es mort partout, voilà. Bref. Ils disent toujours d'aller là et de couper. De sacrifier ces paires là pour pouvoir sauver celle-ci. Mais du coup, celle-là donne aussi également beaucoup de points noirs. Mais de toute manière, à partir du moment où j'ai fait cette suite, j'ai répondu à cette suite d'Atari, j'étais déjà perdu. Tant pis, tant pis.